Bonjour à tous, c'est Claire. Alors j'enchaîne les reviews avec un petit coffret qui s'appelle Mes petites prières aux anges. Donc c'est un coffret qui m'a été envoyé par les éditions Exergue. C'est pas forcément le type de coffret que moi j'utilise, mais ben, je trouve intéressant de vous le montrer parce que c'est un petit coffret, voilà. Avec donc cette énergie angélique qui est contenue dans le coffret avec des prières. Donc je sais qu'il y a des gens qui travaillent énormément avec les prières, donc je pense que ça vous plaira. Alors, que vous croyez aux anges ou pas, les anges, eux, croient en vous. Et même quand vous ne croyez plus en rien, ils œuvrent avec amour pour votre plus grand bien. Un ange, c'est une énergie pure qui se nourrit de la source et revient toujours à la source. Cet oracle de 31 prières aux anges vous accompagnera tout au long du mois. À chaque question que vous poserez, vous obtiendrez la réponse la plus juste qui soit. Laissez-vous bercer par les ailes des anges, murmurez leurs prières et croyez au miracle. Donc c'est Lumines qui a créé ce petit, qui a écrit ce petit oracle. Bon, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus, peut-être plus doux là sur le bas de la boîte. Voilà, qui soit plus angélique. Là, elle est un petit peu basique. Voilà, on a des petites ailes dessus. Et après, on ouvre. Alors, c'est pas comme mes petits oracles. C'est exactement le même format, mais on a une présentation différente. Déjà, il y a beaucoup moins de cartes et il y a plus de choses écrites sur les cartes. On a un petit livret et puis on a les cartes à l'intérieur. Alors, comme... les cartes refusent de sortir. Comme on n'a que 30 cartes pour remplir la boîte, vous voyez qu'on a un fond. Donc voilà, sachez que vous, il n'y a pas toute la boîte qui est remplie de livres et de cartes, mais il y a un fond pour que les cartes et le livret se tiennent. Donc ensuite, on a des cartes qui sont de la taille. Moi, j'aime bien ces petits formats en fait. Je les trouve très sympas. C'est des. Que j'ai comme taille, je crois bien que le Butterfly Affirmations il est de cette taille-là. Ah non, il est un petit peu plus petit. Voilà, donc c'est pas des grandes grandes tailles de cartes, c'est des tailles voilà moyennes, mais avec un comment dire, les cartes sont rigides comme les cartes d'oracle classiques, enfin de grands oracles. Donc on a tout le temps le même dos et puis on va avoir une prière et puis on a comment dire, des bords qui sont dorés. Alors dans le petit livre, on a un petit... c'est une sorte de petite introduction en fait. C'est pas... on n'a pas un mot pour chaque carte, toute la petite prière est dans le... dans les cartes. Voilà, on a en fait, voilà, posé une question à haute voix ou dans votre tête, des instructions en fait. Et puis ensuite, elle précise que quand on tire une carte, par exemple la carte amour, ça signifie pas qu'on est dénué d'amour, ça veut dire que cette énergie est fragilisée. Ça, j'aime bien. J'ai bien aimé la présentation. Et donc après, on a une affirmation pour chaque carte, vous verrez. Donc là, je suis l'amour, je mérite l'amour. Alors c'est un jeu qui est tout doux. Et puis donc avec une prière à chaque fois qui est une prière assez longue. Donc on a des thèmes différents. Donc par exemple, là, on a la carte sur l'amour. On a une carte sur la santé, le bonheur, la réussite, montrer comme ça la tendresse. Donc je vous laisse faire une pause si vous voulez regarder un peu plus le type de prière que l'on a. On fera un petit tirage à la fin. Donc moi c'est vrai que j'ai mes propres prières, mais pour les personnes qui se sentent proches de l'énergie des anges ou pour les gens qui vont pas très bien. Et qui ont besoin de cette énergie de soutien, hein. Ça peut être un joli cadeau
C'est vraiment un jeu de soutien. Et voilà, il y a énormément de gens, hein, qui ont besoin de ce soutien. C'est pas du tout un jeu, un oracle pour faire un tirage de plusieurs cartes. C'est un oracle pour je me sens pas très bien et j'ai besoin de soutien. Donc je vais avoir cette petite prière et je vais voir où est-ce que ça travaille, où est-ce que je dois travailler plus particulièrement, quel type d'énergie me manque, quel type d'énergie je peux demander. Ça peut être la carte du jour ou la prière du soir. Donc il y a un peu plus d'une trentaine de cartes. 31. Oh zut, je suis tombée. La générosité, l'espoir. Ça peut aussi, je pense que c'est un jeu qu'on peut utiliser pas du tout avec de la synchronicité. Par exemple, je sens que je suis triste et je vais prendre la carte de la joie et je vais faire la petite prière sur la joie. Alors on va mélanger le jeu et puis on va se faire un petit tirage pour voir l'aide que nous apportent les anges aujourd'hui pour moi, le jour où vous visionnerez cette vidéo pour vous. L'amitié. Ah, elle est magnifique cette carte. Alors je vais lire le texte. Mes anges. Merci de fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu. Que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme, car elle est précieuse et irremplaçable. Je suis l'amitié, je mérite l'amitié. Voilà, un petit message sur l'amitié pour nous. Donc voilà, en résumé, je trouve les petites prières très très chouettes. Je trouve qu'il y a énormément il y a de la bienveillance, il y a de la douceur dans ce jeu-là. Donc pour les personnes qui sont touchées, qui ont envie d'une petite prière et pas de forcément la concevoir eux seuls, je trouve que c'est un jeu qui est bien fait. Voilà, j'aurais aimé que la boîte soit un petit peu plus travaillée, qu'elle soit un petit peu plus mignonne. Mais voilà, le dessus avec les petites ailes, c'est sympa aussi. Un peu plus douce, j'aurais peut-être mis un peu du rose plus tendre. Mais pour être plus aussi en lien avec cette tendresse qu'apporte, cette douceur qu'apporte ce jeu. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce jeu-là, donc ne soyez pas surpris par le fond de la boîte, hein, qui permet de maintenir les cartes en place. On aurait presque eu envie d'avoir en fait une cinquantaine de cartes sur ce jeu parce que les prières sont très joliment écrites. Donc voilà, même format que les petits oracles que j'écris, mais avec cette forme de comment dire ce format de carte que je trouve intéressant et que j'aime bien aussi parce que du coup d'avoir quelque chose, on peut écrire quelque chose de plus long comme ici une petite prière sur la carte, donc ça apporte on garde la simplicité du tirage tout en ayant un petit peu plus d'informations. Donc voilà. Voilà pour ce petit oracle, mes petites prières aux anges. Donc il est sorti, oui, j'ai oublié de dire, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti cette année, en 2018. Donc vous pouvez le trouver, vous pouvez déjà le trouver. Voilà, je suis très heureuse d'avoir présenté ce travail de Lumines. Je n'ai pas regardé si c'était une. Je pense que c'est une francophone. Donc si c'est une canadienne ou une française ou une belge ou enfin bref une francophone. Mais j'ai trouvé ce travail très intéressant et très touchant.
Voilà, je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!